Bonjour à tous, ici Laure Zanella du blog laurezanellacoaching.fr. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo bonus sur le thème « Donner un sens à sa vie ». Alors c'est une vidéo bonus qui est liée à la formation neurodroitier et heureux, mais son contenu peut tout aussi bien s'appliquer à quiconque qui chercherait son chemin. Quand on a un profil de neurodroitier, on voit le monde à travers des yeux différents. Et les questions existentielles que beaucoup se posent revêtent une importance souvent plus grande que pour la majorité des gens. Quel est le sens de la vie? À quoi rime tout ça? Est-ce que les journées vont continuer à se succéder ainsi à travers la répétition constante des mêmes gestes, des mêmes rituels, des mêmes scénarios? Est-ce que la vie ne se résume qu'à ça? Quel sens donner à tout ça? Et ainsi de suite. Voilà le type de question qui défile souvent dans l'esprit d'un zèbre. Pour trouver sa juste place, le neurodroitier a besoin d'exaltation, de se sentir vibrer, de donner une dimension différente et bien plus lumineuse à son existence. Mais que faire alors pour y arriver? La vie a-t-elle un sens prédéfini qu'on serait censé trouver par nous-mêmes? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais pour ma part que la vie a avant tout le sens qu'on va choisir de lui donner. Les questions à se poser sont donc celles-ci. Qu'est-ce qui vous apporte le plus de joie dans la vie? Quels sont les moments ou quelles sont les circonstances où vous vous êtes senti le plus vivant? Qu'est-ce qui vous met du baume au cœur, vous fait rayonner ou vous fait monter les larmes aux yeux? Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir vraiment connecté à l'univers et d'atteindre ce frisson intérieur qui vous donne une énergie nouvelle? Ces directions-là que vous pouvez explorer pour trouver là ou les pistes qui vont vous permettre de vous réaliser, de trouver votre place à vous et de vous épanouir vraiment. Le truc, bien sûr, c'est que quand on a un profil atypique, ce sont souvent aussi des voies atypiques qui devront être parcourues pour se sentir enfin relié à la vie, mais quelle importance au fond du moment qu'on est heureux. Alors, ce qui peut être difficile, c'est d'oser s'opposer à ceux de notre entourage ou encore à la société qui cherchent à nous pousser à être conformes au modèle préétabli. Certains jugeront nos choix, ne comprendront pas, nous rejetteront peut-être, mais est-ce que c'est de l'amour véritable que de chercher à emprisonner l'autre dans un modèle qui ne lui convient pas? L'amour véritable donne des ailes et laisse l'autre libre de suivre le chemin indiqué par son cœur. Faites les choix qui seront les meilleurs pour vous-même, ceux qui vous apporteront de l'enthousiasme, une réelle satisfaction et qui vous permettront de continuer à évoluer pour déployer votre plein potentiel. Si vous vous limitez pour faire comme tout le monde et vous fondre dans la masse, autant dire que vous ne serez sans doute jamais heureux. C'est l'ennui qui risque de poser ses valises, un sentiment de vide intérieur, de manque de quelque chose, d'incomplétude. Chacun est libre de choisir sa voie, de la tracer comme bon lui semble bien sûr, mais pour être vraiment heureux et trouver un sens à sa vie, il faut suivre la voie du cœur, oser écouter son élan intérieur plutôt que d'agir selon ce que la société ou les autres nous disent de faire. C'est ça qui va donner un sens à votre existence, qui va la booster, la dynamiser et vous permettre de vous reconnecter à votre nature véritable. Quand on est neurodroitier, l'acceptation de soi et de sa singularité, c'est vraiment une étape essentielle pour trouver l'équilibre. Et s'accepter soi-même, ça veut dire aussi reconnaître ses besoins et en tenir compte. Les besoins d'un zèbre ne seront pas les mêmes que ceux d'une personne qui fonctionne selon un mode plus classique, alors suivre le chemin habituel ne sera sans doute pas la voie la plus productive. Écoutez vraiment ce que vous ressentez, osez suivre votre petit guide intérieur, car il se pourrait bien qu'il vous conduise vers des contrées merveilleuses dont vous n'auriez même pas soupçonné l'existence. Pour en savoir plus sur la formation neurodroitier et heureux, je vous donne rendez-vous sur http://lc.cx/z-n-e-s-. La formation sera ouverte à partir du lundi 24 août. Cependant, suite à de nombreuses demandes dans ce sens, il y aura plusieurs départs possibles, donc le lundi 24, le 31, le 7 et le 14 septembre. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à bientôt.